Habituellement, on fabrique 5 drapeaux par an pour l'Ukraine, pour nos différents clients utilisateurs. Aujourd'hui, on a 300 à 400 commandes depuis une dizaine de jours et on est à peu près 1000 drapeaux fabriqués. Ça apporte quand même quelque chose d'émouvant. C'est visuel, donc ça... Oui, ça apporte un symbole. C'est quelque chose quand même d'assez important, leur montrer qu'on est là pour eux. Malgré tout, même si on ne peut pas être présent pour combattre avec eux, on est là, on les soutient et qu'on pense à eux. En 15 jours, on a fabriqué un drapeau russe en petit format, 30-45. Et il y a quelqu'un qui a râlé parce qu'on mettait toujours les drapeaux russes en vente sur notre site internet. Mais comme on fait tous les drapeaux du monde, il n'y a pas de raison qu'on arrête de fabriquer des Russes s'il y a une demande. Ils veulent tous dans les 48 heures. Alors nous, on est obligé de leur dire un peu de classe. Il faut attendre au minimum une semaine. Puisque, comme vous le voyez, notre atelier, on est full, quoi. On est vraiment à flux tendu et du coup, on est obligé de répondre aussi aux besoins de nos clients habituels et historiques en parallèle de toute cette production et de cette fabrication de drapeaux ukrainiens supplémentaires. On avait connu ça lors des attentats où le président Hollande nous avait demandé à chaque Français de pavoiser aux couleurs de la France leur balcon. Et on avait une forte demande à ce moment-là de particuliers qui cherchaient du drapeau français un peu partout.